Bonjour. Ça c'est quel âge ? Ça c'est 3 ans. Je suis un peu plus au fond, mais j'ai pas de surprise. Pardon. Pardon. Ils sont à combien les jeux ? 1 euro l'unité. C'est 1 euro ? Ok. Je vais regarder là. Déposer une là. Je vais prendre ces. Je vais en prendre deux du coup. Je vais prendre ces deux là. Celui-là, c'est plutôt ouais, c'est un magazine, ça, plutôt. Vous vendez ça combien ? Bon, je sais pas, 50 centimes ? Allez, je vais vous prendre. J'ai discuté avec. Hein? Monsieur.
l'acheter. Elle est sympa celle-là. Ouais, elle est pas mal. Hein. Ben là, on avait diminué en fait, j'ai donné 13 balles quoi, sur son prix de vente. C'est à vous, madame. 50 centimes. Ok, je vais prendre ça déjà. Il est censé faire quelque chose. Hop, je vois deux. Hop, je donne deux. Je te donne le bateau. Tiens, regarde, je te donne ça. Hop. Merci. Bonne journée, au revoir. Combien tu veux vendre ça, combien? 30? Ok. Bon, c'est un peu cher. Ok, vous avez que ça en jeu? Vous avez que celui-là? Ouais, après j'ai là-bas, mais j'ai des... Des classiques? Non. Ah oui, c'est du foot, ouais, ok. De retour de cette première bourse aux jouets, oui, les vide-greniers sont finis, en tout cas il y en avait un aujourd'hui, mais franchement c'était le dernier de la saison, je savais qu'on serait une vingtaine à se battre sur les différents stands qu'il y avait. Je suis rentré tard hier avec madame qui m'a invité au restaurant, donc j'ai passé une bonne soirée et du coup j'étais pas très motivé ce matin, franchement j'étais fatigué. Je pense que j'ai fait une belle saison 2024 avec beaucoup de levées très tôt le dimanche et même les samedis parfois, et puis des superbes trouvailles tout au long de l'année. Je vous l'avais dit, 2024 avait hyper mal démarré avec le mois d'avril et mai où les vide-greniers étaient catastrophiques, je trouvais vraiment rien. Je pense que je me suis bien rattrapé, j'ai eu beaucoup de chance cette année comme en 2023. Donc vraiment, pour moi, je clôt cette saison vide-grenier de la plus belle des façons. Et puis donc aujourd'hui, bah, j'ai décidé quand même d'aller faire un petit tour dans une petite bourse aux jouets juste à côté de chez moi. Et puis je suis pas déçu parce que j'ai fait des belles petites trouvailles que je vais vous présenter tout de suite. Alors il y en a une que j'ai dans la main, je pense qu'elle est cassée d'ailleurs, je n'avais pas forcément cette note sur eux, mais bon c'est pour de la décoration donc c'est pas très grave. Et puis surtout j'ai payé très peu cher, hein, très clairement, j'en ai eu pour même pas 20 euros.
sur 7 bourses au jouet, plus une petite brocante que j'ai faite à côté, donc la brocante dont je vous parlais juste avant, où il devait y avoir, je sais plus, 150 exposants et où on devait être un maximum de chineurs de jeux vidéo et de jouets. Donc j'avais pas eu envie d'y aller, et puis j'ai eu envie d'y aller avec ma femme plutôt vers 11h, 11h30. Je fais une belle trouvaille qui finalement s'avère être pas si belle que ça, je vais vous expliquer juste par la suite. Alors on va commencer par les trouvailles. Donc je rentre sur ce vide-grenier, et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois tout au fond un stand avec des jeux de Wii, et donc je demande à aux personnes qui étaient sur le stand, donc il y avait la fille avec sa maman qui était là, et donc je demande le prix des jeux vidéo, et donc les jeux de Wii étaient tous à 1€. J'en ai pris deux, j'ai pris le Spider-Man 3, voilà, hop, qui sont vraiment super bêta. Et puis bah, ce petit jeu qui est quand même plutôt sympa, un Poké Park, voilà, Nintendo Select. Alors c'est pareil, le CD est en super bon état. Voilà, ce sera des monnaies d'échange, je vais pas garder ces deux jeux. Voilà, mais ça peut être une monnaie d'échange intéressante pour des petits jeux de PS4 que je peux chercher ponctuellement. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, j'ai trouvé une petite décoration sur un stand de revendeur, 50 centimes. C'est un ancien jouet McDonald's, je pense. Je vois pas d'écriture. Par contre, je vois ici, il va y avoir un lanceur ou quelque chose derrière. J'essaierai de me renseigner. Mais bon, voilà, 50 centimes, ça ira rejoindre la vitrine. Donc, Sonic. À l'intérieur des jeux, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai retrouvé cette notice aussi de Spider-Man allié ou ennemi. Voilà, en très bon état, elle était en plus de la notice du Spider-Man. Voilà, je l'ai prise. Ensuite, j'ai trouvé un petit personnage qui m'a bien fait rire. C'est le Zigzag de Toy Story. Voilà, donc l'ami Unboxit, je sais pas si... je sais qu'en ce moment, tu fais moins de vidéos. Si jamais tu suis celle-ci, bah voilà, c'est un petit clin d'œil, parce que je sais que toi, tu fais ce genre de jouet. Donc voilà, j'ai trouvé ça aujourd'hui. Et donc, il y a un bouton... Et il y a une quinzaine de phrases différentes, ce qui est quand même beaucoup pour un petit jouet comme ça. Et puis c'est un jouet qui est issu du Disney Store, je sais pas si vous le verrez là, mais il y a la signature qui est ici. Et j'ai payé ce jouet seulement 3€, donc voilà, une belle petite trouvaille à 3€. Et puis sur cette bourse aux jouets, et ben, la trouvaille qui m'a fait le plus plaisir, c'est une des moins chères, puisque je l'ai payé 50 centimes. Voilà, il y avait plusieurs bacs de livres. Et puis, j'étais pas très motivé au départ. Puis je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais bouger un peu les bacs. J'ai demandé à la dame, elle me dit, oui, allez-y, vous pouvez bouger les bacs, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Et puis, bah, dans le dernier bac, il y avait un livre qui m'a fait vraiment plaisir. C'était un mensuel, le numéro 8, qui coûtait à l'époque 22 francs. Et c'est le Kawabunga Tortue Ninja, qui est dans un superbe état. Et tellement en bel état que j'avais vu sur la couverture qu'il y avait... Donc un poster à l'intérieur, et ben écoutez, le poster est toujours là. Il n'y a aucune, il y a des, vous savez, il y a des jeux dans le mensuel, il y a des jeux, mais il n'y a pas d'écriture dessus, donc c'est plutôt cool. Et vous voyez, ici le poster est encore présent. Donc ça, pour la somme de 50 centimes, ça fait vraiment plaisir, ça va rejoindre la bibliothèque. Voilà, avec les BD un peu plus anciennes. Et puis ben voilà, si vous voulez les protéger vos BD, vous pouvez prendre des plastifiches comme moi, hein, ça coûte pas cher et puis ça protège bien. Voilà, et ça donne aussi un bel effet. Avant de bande dessinée, donc voilà, pour la somme de 50 centimes seulement. Donc vraiment un très bel achat. Et donc je décide d'aller avec ma femme sur la fameuse brocante, qui était celle de Rombier Marchipon, donc, où tout le monde s'était un peu battu ce matin, et des amis chineurs ont fait des belles trouvailles, donc je suis bien content pour eux. Voilà, moi j'ai pas voulu me battre sur celui-ci, j'étais fatigué, j'avais pas envie. Par contre, à 11h30 du matin, je trouve ça sur un stand. Je suis assez choqué de la trouver, alors je me dis peut-être qu'elle est chère. Et donc je vais voir le vendeur et il m'annonce 15€ avec deux jeux, mais alors deux jeux, vous savez, Art Academy, enfin voilà, deux jeux vraiment pourris. Et en fait, je l'allume, et elle s'allume directement avec du son, etc. Je me dis, bah c'est plutôt cool. Et puis je mets un jeu dedans, elle s'allume direct, elle démarre, je commence à jouer, tout fonctionne, enfin voilà, globalement tout se lance, donc bon, je me dis bien. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé quand je suis rentré chez moi. Bah finalement je l'ai retesté et l'écran tactile ne fonctionne pas du tout. Voilà, c'est voilà. J'avais mis le jeu, non j'avais mis le jeu et donc il a identifié le jeu tout de suite et j'avais un peu surfé dans le menu en faisant ça, ça on peut le faire, il n'y a pas de problème avec la croix directionnelle, ça fonctionne. Par contre c'est pareil, si je veux valider avec les boutons, bah ça ne fonctionne pas. Vous voyez quand je vous dis alors...
ça bien à tomber parce que dans ces cas-là, sur les brocantes, bah, je demande toujours un rabais au cas où. J'ai bien fait. Aujourd'hui, j'ai demandé pour l'avoir à 10 euros au lieu de 15. Et du coup, je m'étais dit, bah, ça va, c'est cool. Bon, après, la coque est un peu griffée. Mais bon, à ce prix-là, c'était plutôt pas mal comme console d'appoint. Et puis finalement, vous voyez, elle ne fonctionne pas. Donc, bah, pour une console qui ne fonctionne pas, finalement, 10 euros, c'est pas si mal que ça. Donc, bon, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être la lourder pour pièces au même prix parce que de toute façon, j'ai pas envie de la garder. Ça m'intéresse pas d'avoir une console qui marche pas. Et comme en réparation, je suis complètement nul, ben, ça m'intéresse pas de conserver cette console. Donc, voilà, quand je vous dis de tester les consoles ou de demander toujours un prix au cas où, bah, ouais, c'est pour ce genre de cas. Mais bon, globalement, si on prend cette console, qui repartira, je pense, au prix où je l'ai acheté pour m'en débarrasser. Les deux jeux ici, qui étaient donc à 2 euros les deux, 2,50 euros, on monte à 3 euros plus ici, le chien ici, 3 euros, ça fait 6 euros. Donc j'ai payé 16 euros pour tout ça. Bon, je me dis que c'est pas si mal que ça pour quelqu'un qui n'a pas voulu se lever le matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!